Studiare vuol dire conoscere e anche incontrare. Ti aspettiamo in un luogo ricco di opportunità per la tua crescita professionale e personale. Università Cattolica del Sacro Cuore. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Studiare vuol dire conoscere e anche incontrare. Ti aspettiamo in un luogo ricco di opportunità per la tua crescita professionale e personale. Università Cattolica del Sacro Cuore. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Bene, benvenuti a tutti qua a Rimini. Bienvenue à tout le monde. Je remercie tout d'abord tout le monde. On a ici avec moi. J'ai l'honneur d'introduire cette rencontre qui s'appelle le rôle central de la recherche scientifique, le défi du vaccin et de la thérapie efficace. Et on a ici André Acosta, qui est le sous-secrétaire de la Santé. Et on a connecté en distanciel Stefano Bertuzzi, directeur général de l'American Society for Microbiology, et Zowana, qui est directeur général de Chiara Health, et le professeur Ricciardi, qui est administrateur délégué de DEC générique. Je remercie tout le monde pour être ici. C'est quoi qu'on veut mettre à thème dans le meeting d'aujourd'hui? On veut parler de ce qu'est l'impact que la recherche scientifique a eu et elle aura sur la vie de tout le monde.
C'est quelque chose d'évident, le fait qu'on peut être ici aujourd'hui. Et même l'année dernière, on a participé à une rencontre comme ça d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on était en distanciel, mais aujourd'hui, on peut être ici même si on est en moitié. Donc le fait même d'être ici en présence est déjà un premier résultat et qu'on peut toucher de ce qui a l'impact que la recherche scientifique a eu et qu'elle a sur la vie de tout le monde. Et on a encore dans le regard la salutation qu'a fait ce matin le président Mattarella et le souhait qu'il a fait, c'est-à-dire que le meeting de cette année doit être un lieu pour repartir à nouveau, un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Et cela est fondamental pour recommencer et pour que les gens peuvent vraiment bouger dans la société et permettre à la société de repartir. Donc moi, à partir de ce que Mattarella a dit ce matin, je voudrais poser la première question au professeur Bertuzzi et je voulais lui demander. Donc il est un Italien qui est parti aux États-Unis et qu'il a eu du succès aux États-Unis. Et donc il nous donnera une vision de ce qu'est le monde anglo-saxon. Et au contraire, Zongwan est sud-africain et donc il nous donnera une vision de la réalité africaine. Et le professeur Ricciardi, que beaucoup d'entre nous connaissent, il va nous donner une perspective de ce que la recherche peut être dans un État comme l'Italie. Et donc, Costa va nous raconter ce qui peut être vraiment le fait d'être de l'autre côté, le fait de prendre des décisions dans la recherche scientifique. Je voudrais commencer avec le professeur Bertuzzi et lui demander... à partir de l'expérience que vous avez vécue dans ces derniers mois et ces dernières semaines, quel est le rôle que la science doit avoir dans la société? Et en particulier dans les rapports avec la politique, dans le fait de pouvoir prendre des décisions et aussi le rapport avec le fait de devoir prendre des décisions. Donc je vous laisse le mot. Merci et bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont ici, qui participent en présence et ceux qui sont en distanciel. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Maintenant, je suis à Washington et c'est un jour de pluie, c'est un jour gris. Et donc, je suis vraiment sûre du fait que l'enthousiasme qui est entrevu est vraiment un peu le contraire de ce que je vis maintenant ici. La relation entre la science et la politique, ces derniers mois et ces dernières années, pendant la pandémie, c'est vraiment une bonne question. Je peux vous parler de mon expérience ici aux États-Unis, dans l'organisation de l'American Society, de la Société américaine pour la microbiologie, qui cherche à informer et la politique, de donner un support par rapport aux décisions liées au thème de la pandémie. Et lié aussi à un changement de l'administration aux États-Unis pendant la pandémie, qui a été vraiment un passage complexe. Je voudrais commencer par des données qu'on a collectées à travers notre organisation. La première nouvelle vraiment positive, c'est-à-dire que la plupart des citoyens américains qui sont vraiment fiables, surtout pour des données démographiques, a vraiment une grande confiance dans la science. Et un rapport aux données, les 60-70% des citoyens qui habitent en Amérique ont un sentiment vraiment positif lié par rapport aux scientifiques.
et à la science. Et c'est une chose très très positive. Mais pourtant, en même temps, quand on regarde cette donnée très positive, les choses sont vraiment plus complexes. On se rend compte que malheureusement, la population n'a pas encore une bonne connaissance de comment la science fonctionne et des rôles. Je vous donne quelques données. Donc, un tiers, le 35% des Américains pensent que s'il n'y avait pas une intervention de la recherche, des universités, de la recherche payée par l'État, il n'y aurait pas de problème. Car la philanthropie, le riche ou d'autres secteurs privés pourraient vraiment se soutenir tout seul dans le rôle de la recherche. Mais en plus, la moitié, plus ou moins, plus ou moins le 50%, pense que si les États-Unis ne s'occupaient plus de la recherche, il n'y aurait pas de problème, qu'il y aurait en tout cas d'autres personnes qui s'occuperaient de ça. Ce n'est pas vraiment de cette manière que la recherche fonctionne, car même si il est vraiment important un rapport entre le public et le privé dans la recherche et l'entreprise. La recherche académique, ce qui est financé par l'État, elle est fondamentale. Et si on a réussi pendant une année à avoir des vaccins vraiment efficaces dans un temps si bref et en sûreté, cela a été non seulement par le fait qu'on a dû le faire en 10 mois, mais surtout grâce au fonds de la recherche. Donc, cette connaissance de cette donnée n'est pas encore bien diffusée parmi les gens. Je voudrais vous donner aussi d'autres données par rapport à comment les choses ont changé ces dernières années, car les choses ont vraiment changé. Entre les 2019 et les 2020, aux États-Unis, on peut remarquer qu'il y a vraiment eu une grande croissance parmi dans l'opinion des Américains, comment les chercheurs ont pu faire face à la politique. En 2019, seulement les 30% pensaient que les chercheurs devaient travailler, collaborer avec les politiciens. Mais en fait, la plupart des Américains pensaient au contraire que les chercheurs devaient ne pas travailler, se mélanger avec la politique. Cette donnée, pendant une année, cette donnée a augmenté entre le 33 et le 46%. Et c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Car cela veut dire qu'on s'est vraiment rendu compte d'un aspect qui est difficile à communiquer, c'est-à-dire que la recherche, de mon point de vue, elle a deux points de pression. C'est-à-dire que d'un côté, on a la curiosité de se poser des questions et de chercher des réponses. C'est une valeur vraiment énorme de la recherche. De l'autre côté, il y a aussi la nécessité de répondre à la santé publique, des réponses à des priorités de la société et de la vie des gens. Donc ce que je pense, l'aspect positif, c'est que ces dernières années, pendant la pandémie, la plupart des gens se sont rendus compte du fait qu'il est très important pour les chercheurs de collaborer et d'informer la politique. Donc cela, pour moi, c'est une donnée très intéressante qui indique, qui marque un mouvement très très rapide qui a encore beaucoup à améliorer, mais qui marque des changements fondamentaux. Donc de mon point de vue, je dirais que un rapport avec la politique, le rapport avec la politique est vraiment fondamental. Thank you.
On a dû s'occuper des problèmes énormes avec les diagnostics. Donc, on a développé des interventions vraiment pesantes de la part de nous tous, les chercheurs et les organisations qui représentent les chercheurs, pour s'interfacer avec le gouvernement. Pour vous dire, j'ai passé beaucoup d'heures, surtout au début de la pandémie, dans la Maison Blanche, pour informer de la situation, afin de prendre des décisions, de prendre des contacts. Et cela, c'est positif parce que les Américains comprennent que c'est de plus en plus important de pour les chercheurs de communiquer avec les hommes politiques. Un message que je veux passer, c'est que l'attitude des chercheurs, qui parfois sont formés pour parler de données, pour parler au cerveau en substance, mais quand on parle avec les hommes de la société, de la politique, ça devient vraiment très important, oui. Parler au cerveau, mais surtout au cœur, parce que ça devient fondamental de trouver une empathie, d'empathiser avec les autres personnes, parce que cela est une attitude très positive. C'est très important de se rappeler ça, surtout maintenant dans la situation actuelle qui est dramatique pour les Novax, qui hésitent face au vaccin. Il y a ce risque de la part de tout le monde. Oui, mais regardez les données, la science dit que c'est juste, mais la chose la plus importante, c'est l'attitude, parce qu'il faut créer des rapports, des relations avec les personnes pour arriver au cerveau, aux données, en partant du cœur. Quand quelqu'un est sceptique face à ces choses, moi j'essaye toujours de me reconnecter et d'aller vers cette direction. Oui, je sens que tu es sceptique sur ce sujet, sur les vaccins, donc on a quelque chose en commun. Moi aussi je suis sceptique en tant que personne. J'ai toujours été sceptique sur ça. On m'a toujours entraîné sur ça, donc je me suis toujours posé des questions sur tout. Donc on a quelque chose en commun pour comprendre si ça ça peut être vrai ou bon pour moi ou pas. Donc essayons de comprendre ensemble si on peut aller vers une direction ou une autre. Donc c'est un message, à mon avis, très important afin de dialoguer, afin de trouver une relation et non pas de construire des barrières. Et c'est une chose très difficile pour le chercheur, mais ça peut devenir simple et c'est vraiment la chose opposée de ce que j'ai dit maintenant. C'est-à-dire, moi je sais, toi tu ne sais pas, donc essaye de m'écouter parce que c'est moi qui sais. Donc ce n'est pas le pas à suivre. Je dirais que c'est une chose très importante pour impliquer les personnes, la société, c'est-à-dire de se relationner, donc créer des relations. Donc les chercheurs doivent vraiment impliquer les personnes de la société, donc en répondant aux questions de la santé publique, mais il faut aussi créer des relations, c'est très important. Parfait, merci beaucoup professeur Bertuzzi. C'est sûr que votre contribution est allée au cœur de ce qui est le problème, de la question qu'on veut poser au centre de notre dialogue d'aujourd'hui. On va changer d'endroit et je demanderai au docteur Ngozwana de nous donner la perspective de ce qui est la situation en Afrique maintenant, en ayant aussi à l'esprit l'appel du pape François qui a répété l'importance du vaccin, donc l'importance de se vacciner, et en deuxième lieu le fait que le vaccin soit accessible à tout le monde. Donc la situation du continent africain est pertinente maintenant sur cela. Donc docteur Ngozwana, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur la situation en Afrique, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais bien
exprimer ma gratitude pour m'avoir invité ici au meeting pour cet événement. J'aimerais bien parler de la situation du Covid en Afrique et vous donner quelques informations, quelques données pour vous parler mieux de ça. Il y a 1,3 milliard de personnes en Afrique, donc je vous donnerai beaucoup d'informations sur la situation actuelle qu'on vit en Afrique, la couverture des vaccins et clairement, je vais vous proposer certains pas qu'on pourra entreprendre pour se préparer dans l'avenir immédiat. Comme je vous disais auparavant, l'Afrique a 55 pays, 1,3 milliard de personnes. Mais quand la pandémie a explosé, on s'est retrouvé complètement impréparé. Et ça a été vraiment le résultat direct de certains facteurs. Donc, on a eu vraiment une crise chronique qui s'est vraiment traduite avec le manque de médecine fondamentale. On n'avait pas des tests de dépistage, de vaccins, on n'avait pas des ventilateurs, on n'avait pas des personnels sanitaires. Il n'y avait pas trop les disponibilités de ça. Il n'y avait pas aussi de personnel pour les maladies infectives, les maladies critiques. Cela a mené à des résultats vraiment faibles, critiques, concernant notre pays et a appauvri la capacité de contenir la pandémie. L'autre point concerne aussi le manque des structures qui touchent le territoire des hôpitaux en Afrique. Et cela est centralisé surtout dans certaines zones. Il y a des instrumentalisations obsolètes, parfois avec des systèmes sûrement qui ne marchent pas trop. Et on a des données de l'ONS qui nous dit qu'il y avait moins de 6000 ventilateurs en Afrique avant la pandémie. Et on sait aussi que les données électriques n'étaient pas adaptées pour fournir un élément fort de la pandémie. Donc l'électricité, il y avait vraiment un manque sur ça. Et c'est un résultat des décennies de nonchalance sur la condition des hôpitaux en Afrique. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas des capacités. Il y a des structures qui reçoivent, par exemple, des oxygènes par les structures centrales pour les amener après dans les structures des banlieues. Et ça, c'est vraiment un gros défi parce qu'il n'y a pas de disponibilité d'oxygène pour les structures adéquates. Et des produits, par exemple, qui sont essentiels pour soigner les personnes n'étaient vraiment pas rejoignables. Un autre défi concerne la présence de grands nombres de personnes qui partagent des tout petits espaces qui sont vraiment bien affoulés. Et on ne peut pas proposer un distancement social, des mesures de quarantaine pour ces personnes. C'est impossible parce que les espaces ne sont vraiment pas suffisants. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'infections bien diffusées dans ces pays. Durant la première et deuxième vague, les nombres en Afrique étaient vraiment bas. Et ça aurait peut-être dû au fait qu'il y avait vraiment des laboratoires adéquats. On n'avait pas la possibilité de faire des tests de dépistage. Tout ça a falsifié un peu les données. Donc, cela a donné un sens de certitude, d'encouragement qui était falsifié parce qu'on n'avait pas une véritable, disons, point de vue sur la situation. Il y a aussi des laboratoires, des personnes qui ont perdu leur travail à cause des premières vagues. Il y a 50 millions de personnes qui ont été poussées dans la pauvreté en Afrique. Et à cause de ces confinements,
et des manques de notre système sanitaire, toutes les maladies chroniques qui sont au-delà du Covid et d'autres pathologies, comme aussi le cancer, la tuberculose, des pathologies infectives comme le VIH par exemple. Donc l'attention pour ces pathologies a été réduite à cause de cette pandémie. Et donc, il y a été des augmentations des infections, les tuberculoses, des personnes qui, d'habitude, étaient contrôlées, ont développé une sorte de résistance aux antidotes. Donc, la filière, la chaîne des aides sur les maladies qui ne sont pas dues au Covid ont vraiment eu une baisse sur cela, et il y a eu des restrictions même sur les exportations des médicaments sur tous les continents africains. Aujourd'hui, nous avons 7 millions d'infections qui ont été enregistrées dans tous les pays, et seulement 6,5 millions ont été soignés. Il y a 190 millions mille victimes, mais sûrement sont plus que cela parce qu'on n'a pas trop enregistré cela. Le taux de mortalité, c'est du 2,2%. Et dans les dernières semaines, beaucoup de pays ont vu s'augmenter une augmentation de mortalité, le 40% plus que ces dernières semaines. On a vu vraiment une augmentation de la mortalité et 1 million de nouveaux cas par rapport à avant, quand il a fallu 4 ou 5 mois à rejoindre 4 ou 5 millions des infectés. Clairement, il y a encore des personnes qui meurent à la maison, d'autres personnes qui meurent à l'hôpital. Et pas tout le monde sait que ce sont des morts dues au Covid. Par exemple, si on pense à des pays comme les Oman, au Nord d'Afrique, il y a un nombre significatif de morts qui n'ont pas été expliquées, dont on ne connaît pas la raison de la mort, et on peut peut-être attribuer ces morts au Covid, mais on ne le sait pas, parce que le personnel sanitaire est fatigué, les conditions des hôpitaux ne sont pas adéquates, donc on n'a vraiment pas trop de ventilateurs, il y a vraiment des choses qui sont difficiles à obtenir pour les hôpitaux et les structures sanitaires. Et la couverture vaccinale du continent n'est pas trop adéquate pour le moment. On est lié à un producteur local qui s'appelle BioVac, et c'est une production limitée locale. Donc il y a eu vraiment des réductions sur la production des doses des vaccins. Ils vont fournir 100 millions de doses à partir de l'année prochaine. Et par exemple, il y a le Johnson & Johnson qui a signé un contrat pour faire une circulation des vaccins pour l'année prochaine aussi. Mais malheureusement, beaucoup de ces vaccins ont été exportés dans l'Afrique. Donc il n'y a pas un vrai producteur local africain, même s'il y a eu des progrès concernant cela. Ce que l'Afrique a pu faire, c'est de se munir d'un comité, le COVAX Vaccine African Team, qui s'est occupé d'améliorer la situation des vaccins, mais ce n'est pas suffisant parce que il y a vraiment pas trop de personnes qui se sont vaccinées, qui ont rejoint donc l'immunité. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de vaccins faux en circulation dans les marchés, donc ce n'est pas facile pour ça. Cela signifie que seulement les 1,4
85% de la population africaine a été complètement vaccinée. Donc, entre ce nombre, c'est vraiment le moins que les 1,5% des données globales. Donc, on sait que si une bonne partie des personnes qui n'ont pas été vaccinées, on sait que ces personnes peuvent ne pas se sauver. Et donc, il y a beaucoup de défis concernant l'accès, les disponibilités des vaccins, les campagnes vaccinales qui ne sont pas trop adéquates et qui ne sont pas trop en bon état maintenant. Donc, nous avons besoin, par exemple, de seringues, de tests de dépistage, de structures, de systèmes de monitoration pour rappeler aux personnes de faire leur deuxième dose, de se vacciner. Et comment donc on peut résoudre ces problèmes? Comment on peut faire face à ces problèmes? En tant que continent, on est vraiment bien plus préparé pour d'autres type de pathologie. Donc, on devrait mettre en pratique des mesures de type sanitaire, de type médical, et essayer de faire respecter avec vigueur ces règles, ces mesures. Par exemple, pour faire des tests moléculaires, des tests de dépistage utiles, qui puissent marcher et qui puissent donner des informations de manière rapide. Et les gouvernements locaux devraient aider et financer ces pays qui sont en baisse et qui n'ont pas trop d'outils pour faire face au Covid. Et on a vraiment besoin de structures internationales pour faire face à cela. Et l'Afrique a été un peu abandonnée. Donc, si l'Afrique continuera à être abandonnée, il y aura aussi des implications sur d'autres parties du monde. Il est nécessaire de produire des vaccins qui puissent aussi contraster de nouveaux variantes comme la Delta maintenant, mais il y aura aussi d'autres variantes aussi. Il faut qu'il y ait d'autres vaccins qui puissent mieux marcher contre les nouvelles versions variantes du Covid. Il faut assurer un partage meilleur des vaccins, même en Afrique, parce qu'il y a des pays qui n'ont rien du tout et ce n'est pas soutenable cette situation. Cette situation n'est vraiment pas gérable et il faut vraiment bien équilibrer les doses en distribution des vaccins. Merci beaucoup pour votre attention. Grazie mille, dottor. Merci beaucoup au docteur Odzouane, parce que c'est vraiment, vraiment très important, sûrement, le cri d'alarme, et ce que vous avez surligné, car il est vraiment fondamental. On n'habite pas dans un monde qui est isolé, mais chaque décision qu'on prend est connectée aux autres. Et surtout dans ces derniers mois, on l'a vu. Donc le changement, la possibilité des changements est vraiment dans ce que vous avez souligné, l'engagement des États européens, mais aussi des États-Unis pour un changement technologique. C'est vraiment la seule clé qui peut permettre à la région africaine, mais aussi à d'autres pays en phase de développement, de répondre à l'émergence du Covid. Donc vraiment encore merci pour ce que vous avez dit et que vous avez souligné. Et surtout en gardant les mots de Pape François dans l'esprit. Donc maintenant, on se déplace en Italie, en Europe. Et au docteur Ricciardi, on demande de votre point de vue comme président de votre association et même consulant de ministre Speranza. Je vous pose cette question. Quelle est, d'après vous, toujours à partir de votre expérience, car ici, au Meeting de Rimini, on veut toujours mettre au centre, non pas des théories, mais des expériences, faire rencontrer des hommes qui ont vraiment se sont battus face en réalité. Donc, à partir de votre expérience, quel doit être le juste rapport entre le travail de la recherche scientifique et ce que cela produit, et la politique et l'information? D'après moi, c'est un rapport vraiment crucial dans lequel les deux parties doivent se rencontrer.
car les chercheurs ont un peu une manière de vouloir transmettre des informations et surligner une évidence scientifique. Mais cela veut dire que cette information arrive par des épreuves concrètes, à partir des expériments. C'est quelque chose d'objectif, donc c'est vraiment un certitude scientifique à partir du moment que cela elle est transmise. Donc parfois, la plupart des chercheurs savent qu'il y a des dogmes qui arrivent de ce point de vue objectif et scientifique. Donc d'après tout, il y a trois problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Donc le changement climatique ne peut pas être résolu par les pays d'Italie, de France, et les grandes politiques de migration. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de monde qui s'échappe de leur pays. Cela ne peut pas être résolu par les pays européens aux États-Unis. Et après, il y a la pandémie. Et on doit dire fort et clair que si on ne va pas prendre des décisions, cette pandémie va durer pendant des années. Car ce qu'on est en train de dire, en fait, est que on a créé un groupe de chercheurs scientifiques, mais qui n'a vraiment pas un pays au monde qui a suivi tous les observations de la science. Et donc, il n'y a vraiment pas un pays qui a trouvé une solution totale, complète à la pandémie. Et on a la plupart des fois souvent pensé d'avoir trouvé des solutions, mais après on s'est rendu compte que cela est limité. Donc par exemple aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, on a encore les mêmes problèmes, même si on pensait d'avoir trouvé une solution. Donc on s'est rendu compte qu'aujourd'hui ces choix doivent être soutenus par la recherche scientifique, sinon on ne peut pas sortir de ces problèmes. Et donc, on voit déjà qu'aujourd'hui, on a des vaccins qui sont vraiment sûrs et efficaces. Et cela, c'est une objectivité. Le pays qui a vacciné le plus au monde, hier, avait vacciné complètement. Les 63% de la population a été vaccinée et il a évité avec une campagne vaccinale. En Bretagne, ils ont évité 24 millions d'infections et ils ont fait quand même 95 000 personnes à l'hôpital. Donc cette campagne a évité beaucoup de cas et beaucoup d'hospitalisations. Concernant ces données, il n'y a pas une objection sur le fait que les vaccins est la seule arme qui nous consentit de sortir de cette situation. Ce n'est pas le seul moyen, parce que même les masques, les distanciements sociaux sont des solutions. Mais c'est clair que si on n'a pas des pays où les personnes vaccinées ne sont pas assez, c'est sûr qu'on ne va pas sortir de cette situation. Donc, ce qui devrait être une décision très forte et qui pourrait être prise seulement de manière internationale, ce serait de suspendre les brevets, et pas seulement cela, mais consentir avec les transferts technologiques la production de milliards de doses de vaccins. Parce que pour l'instant, on a soumistrer seulement 4 milliards 8 millions doses de vaccins, mais seulement dans les pays riches. Ça veut dire que la présence du virus dans 4, 5 milliards de personnes nous mènera à des variantes qui vont retenir les vaccins inexistants. On a perdu le professeur Ricciardi. On a des problèmes de connexion maintenant. On va essayer avec la régie si on va résoudre avec
le volume du professeur, oui, maintenant on arrive à l'entendre. Je disais que la variante Delta a changé la situation parce que ce n'est pas une variante très létale, mais c'est une variante très contagieuse. Elle a une charge bien supérieure à celle de Wuhan. Elle est 1000 fois supérieure à celle de Wuhan. Il faut vacciner et le faire rapidement. C'est ce que je veux dire. Très bien. Professeur Ricciardi, je relance en repartant à partir des interventions du sous-secrétaire Costa. En tant qu'homme de gouvernement et homme politique, vous êtes appelé à prendre des décisions pour nous tous, en partant des décisions scientifiques et par la communauté scientifique qui vous pose des choix. Quelle est votre expérience, votre point de vue sur cela, sur ce qu'on vient de dire? Quel est le juste rapport et qu'est-ce que vous avez amené à la maison à partir de ces mois? Cette opportunité est un grâce à Je vous remercie. Je remercie surtout le meeting pour pouvoir donner la possibilité d'être ici et en présentiel. Et je pense que c'est vraiment un témoignage pour notre pays du fait que les choses peuvent être faites et qu'on a besoin vraiment de faire des choses ensemble et de répartir. C'est clair que la politique en cette dernière année a été vraiment appelée à avoir un rôle très très compliqué. Mais je crois que cette pandémie peut représenter en même temps une occasion pour la politique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir à nouveau la possibilité d'assumer la responsabilité de faire des choix. Et dans un contexte comme celui de la pandémie, la politique doit vraiment tenir compte des indications scientifiques. Elle doit vraiment prendre des décisions, toujours avoir une relation avec l'émergence sanitaire, mais en même temps aussi avec les nécessités économiques du pays. Et donc, quand en avril, on a commencé ce chemin de réouverture à la normalité, on a toujours essayé de garder ensemble ces deux nécessités. Donc, il y a sûrement des indications scientifiques qui permettent à la politique d'avoir un peu de discrétion et de marge. Par exemple, à la discrétion du Green Pass qui est par beaucoup de monde est vu comme un instrument qui limite la liberté. Et pour moi, par contre, c'est un instrument qui permet une plus grande liberté, permet à notre pays de ne pas devoir aller en arrière, mais de faire des pas en avant. Et après, il y a aussi des décisions scientifiques desquelles la politique doit être consciente, doit connaître. Et par exemple, pour ce qui concerne l'utilité du vaccin comme la seule possibilité de sortie de la pandémie, je pense que le message qui arrive de la science est un message unique. Et je crois que la politique doit avoir la possibilité d'être responsable de communiquer un message positif en relation à ça. Et je partage le message de notre ami qui parle de l'Amérique. Donc, il a besoin d'une politique qui ne crée pas des oppositions. Mais on a besoin vraiment de faire comprendre aux citoyens et à tout le monde le fait que le vaccin est vraiment un instrument qui aide les relations à la communauté et non seulement les individus isolés. Et donc, on a aussi un autre problème, c'est-à-dire le problème que les hôpitaux recommencent à s'occuper aussi d'autres problèmes. On doit absolument créer les conditions pour qu'on ne retourne pas en arrière, mais il faut avancer. Et donc le vaccin devient un élément de garantie qui peut permettre ces conditions pour retourner, non seulement à la vie normale, mais aussi pour retourner à donner la possibilité à nos citoyens d'être soignés. Donc la politique a sûrement une grande responsabilité et je crois aussi que les citoyens demandent vraiment une grande unité de la politique, une unité institutionnelle et je pense que ce n'est pas le temps pour être en opposition mais c'est vraiment le temps dans lequel chacun de nous doit se mettre à disposition, porter son contribut et essayer
Par exemple, cela a été fait par la science. On ne parle pas beaucoup de ça, mais quand on parle des sciences, on parle vraiment d'hommes et de femmes qui se mettent à disposition pour le bien commun, qui essayent de trouver des solutions pour les communautés, pour faire face à des difficultés, des situations comme la pandémie. Il faut juste penser à notre personnel sanitaire, d'hommes et de femmes qui ont consacré la vie à essayer de soigner les gens avec grande compétence et en essayant toujours de combler aussi des vides sentimentaux. Donc je pense que cette pandémie a vraiment mis en évidence un aspect fondamental des grands défis, c'est-à-dire que les grands défis doivent être suivis. Il faut faire cette grande pandémie en se mettant en relation et chacun doit mettre à disposition son propre jeu pour un bien commun, pour un bien plus grand. Et je pense que cet aspect a été mis en évidence par la pandémie. Et je pense aussi que la politique peut vraiment recevoir un enseignement. Et je pense que la politique va recevoir une grande transformation à partir de cette pandémie. On aura vraiment encore plus besoin de dialogue, de disponibilité. On aura vraiment besoin d'ouverture, encore plus qu'avant. Bien, merci. Je vous remercie et je remercie le sous-secrétaire Costa. Et je vais pour terminer, vous poser une dernière question. Aujourd'hui, le président Mattarella, comme je dis au début, comme il a essayé de nous rappeler l'importance du vaccin, a aussi demandé que ce meeting puisse être un lieu pour repartir, puisse être un signe pour partir, repartir en nous, pour recommencer. Et comme le titre du meeting nous dit, ce n'est pas possible de recommencer si les gens ne recommencent pas, si les gens ne se mettent pas, s'ils ne s'impliquent pas dans la réalité. Donc la question à laquelle je suis très liée et que je veux poser maintenant est en comparaison avec le titre de ce meeting de Rimini, c'est-à-dire le courage de dire « je ». C'est une phrase du philosophe Kierkegaard qu'on a peut-être étudié à l'école. Et la question que je vous pose est la suivante. Comment ce courage de dire « je » vous a permis de vous bouger dans le défi de ces derniers mois, ces dernières semaines, face à la pandémie et face à la responsabilité dans laquelle vous vous êtes trouvé? Comment vous avez grandi? Comment votre « je » a pu grandir pendant les mois de cette crise, de cette pandémie? Je vous pose une question personnelle en conclusion de cette rencontre. Comment votre jeu a changé en relation à la réalité dans laquelle vous vous êtes trouvé et face à vos responsabilités? Je vais demander au professeur Richard de répondre en premier. J'espère que vous m'entendez. Clairement, je me suis trouvée au moment où la pandémie a explosé en premier lieu après à la Chine. Comme je me suis trouvée à essayer de convaincre. À essayer de convaincre des gens du fait que ce n'était pas une ambulance, mais c'était quelque chose de grave. Et ce qui m'a donné la force a été la possibilité de pouvoir faire cette information en tenant compte d'une base scientifique. Et comme aujourd'hui, par exemple, je sens de pouvoir lancer un alarme, c'est-à-dire pour pouvoir rejoindre 100 millions de cas, le Covid a eu besoin de 18 mois. Pour pouvoir rejoindre 200 millions de cas, il a besoin de 6 mois parce que le cas de Delta a explosé. Donc maintenant, pour rejoindre les 4 millions de cas, si maintenant on ne va pas nous vacciner, on va les rejoindre 400 millions de cas dans les
prochains 3 mois. Cela signifie qu'il faut vraiment avoir le courage de dire les vérités qui ne sont pas faciles à accepter. C'est sûr que tout le monde a besoin de se relaxer, de se détendre. Mais par exemple, je suis vraiment inquiet pour la réouverture des écoles. Car par exemple, la semaine dernière, l'école a réouvert à nouveau et les cas ont augmenté vraiment trop rapidement. Et parce que cela a été vraiment très facile de se diffuser. Donc cela a été vraiment un renforcement et non pas un changement. Et docteur Ozwana, comment vous avez vécu ces derniers mois? Bon, je peux dire que les derniers 9 mois ont été très très compliqués. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai vraiment touché, j'ai vraiment vécu la fragilité de la vie. Et vraiment, indépendamment de n'importe quel pays, indépendamment de la couleur de la peau et des situations, des situations comme les Covid ne font pas de distinction. Et surtout, la vitesse de diffusion du Covid était vraiment frappante. Et cela a mis en lumière encore plus sa tragédie, la tragédie de ce fait. Et en plus, le problème qui a été engendré de cette condition, qui concerne tout le monde, car je pense qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de distance. Car cette maladie ne connaît pas de frontières. Et j'ai appris aussi le fait que nous devons être plus humbles. Et je le dis dans les contextes de quelque chose qui concerne chaque pays, et un pays en particulier, le mouvement Novax. Il faut essayer d'éduquer, d'instruire sans juger. Le quatrième élément concerne le fait que les fautes sont impossibles à éviter. Personne n'est un super-héros. On fait des fautes et chacun doit admettre le fait que chacun essaye de faire du bien, de faire son mieux, mais qu'on fait des fautes, on fait des erreurs. Donc, je pense qu'il faut accepter les fautes avec plus de tolérance. Et en outre, de plus, je voudrais retourner encore à un autre François, qui est François d'Assise, qui a toujours affirmé, a toujours souligné l'importance de la prière. Dans cette situation-là nous a montré notre fragilité, mais aussi la nécessité des autres et la nécessité surtout d'être encore plus proche à Dieu. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes, on est tout lié à ça, on a besoin de Dieu. Et donc cela est peut-être la leçon la plus importante. Le fait que pour résoudre ce problème-là, il faut unir nos forces au niveau mondial, parce que sinon on va continuer à rester dans cette situation dramatique. Et Dr Costa, qu'est-ce que vous avez appris de cette situation-là? Pour moi, depuis 5 mois, ça fait 5 mois que je suis dans les ministères, et donc j'essaie de faire face avec humilité à ce problème. J'ai vécu personnellement le problème, l'expérience du Covid après quelques jours d'être arrivé dans le ministère, et pour moi a été vraiment une expérience extraordinaire parce que j'ai pu en même temps toucher la grande humanité et qui va au-delà même de la capacité des gens. Donc je pense que la pandémie a montré que le fait qu'on a vraiment besoin des relations parce que chacun de nous puisse se réaliser.
Je pense en même temps aussi que la politique ne peut pas rester sans mot, sans rien dire face aux cris qui arrivent de l'Afrique. Donc cela aussi nous demande d'être unis, de créer une équipe qui doit aller au-delà des frontières de notre pays, des frontières nationales, parce que sinon on risque de nous protéger, de protéger notre jardin. Mais au contraire, on n'aide pas l'autre, mais en même temps, on devient plus faible nous-mêmes. Donc il faut avoir une responsabilité de la part de la politique. Je crois que cette pandémie a aussi donné plus de valeur aux choses essentielles, aux choses qui ont vraiment de la valeur, aux choses essentielles de la vie, mais aussi de la politique. Je pense que cette pandémie nous a donné la possibilité de réfléchir et de recréer une échelle de valeurs, une hiérarchie des valeurs. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous permettre de bâtir un monde meilleur en relation à ce qu'on avait avant de la pandémie. Et vous, professeur Bertuzzi, qu'est-ce que vous avez appris à partir de cette expérience quand vous vous trouvez aux États-Unis, dans la Casa Bianca? Qu'est-ce que vous avez appris? À partir de mon point de vue personnel, je dirais, bon, en disant que je suis née et grandie, je n'ai grandi à Piacenza, donc une ville qui a été vraiment touchée par la pandémie. Donc même à un niveau personnel, cela a été vraiment un moment compliqué dans lequel j'ai vraiment perdu des amis et des parents, des amis et des parties de la famille aussi. Et donc, cela a été vraiment une expérience frappante, émouvante et qui m'a vraiment touchée. C'est une chose qui m'a vraiment donné la possibilité de réfléchir, même sur mon jeu. Si je dois répondre à votre thème, sur le jeu professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une position de leadership au niveau technique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Et ce que je me suis dit est que nous, en tant que chercheurs, on n'est pas ici pour décrire le monde aussi. Mais pas seulement. Le but, c'est celui de changer le monde. Et donc, si on voit notre rôle dans cette logique, tout de suite, si on parle de leadership, je me suis rendu compte du fait que la leadership n'est pas une compétition pour être plus populaire, mais c'est un service, c'est une compétition des services. Donc pour moi, cela a été vraiment une expérience très très forte pour me rendre compte du fait que je n'avais, dans une situation que je n'avais jamais vécue avant. Je me posais la question de comment on peut vraiment mettre à disposition du monde toutes les ressources qu'on a. Et comment on peut mettre à disposition même les gens et la mission qu'on a face au monde. Donc, dans mon organisation qui est non-profit, qui a la mission comme but principal, ce qu'on a fait, on a vraiment essayé de nous focaliser sur l'impact, sur le fait de comment on peut vraiment changer le monde. Et dans notre, avec ce qu'on pouvait, on a essayé de faire ça. Donc on fait sûrement des fautes. Ce n'est pas possible de donner du bonheur à tout le monde, mais c'est vraiment cela qui pour moi veut dire de se mettre en jeu pour le bien commun. Voilà, pour moi, ça a été vraiment un enseignement au niveau personnel, mais aussi de leadership. Merci. Deux expressions, deux mots que je voudrais répéter en prenant des notes. Donc, en premier lieu, il est évident qu'on ne peut pas se sauver tout seul. À partir, par exemple, de ce qu'on a dit du cri qui vient de l'Afrique. C'est aussi un cri qu'on peut donner et demander aux entreprises face à ce qui est la transformation, le changement technologique aussi. Donc si on n'intervient pas de manière rapide, la situation ne va pas trouver une solution.
Donc aujourd'hui, on a le cas de Delta, mais on ne connaît pas peut-être combien de lettres on va encore avoir. Si on n'intervient pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc en premier lieu, on ne peut pas nous sauver tout seul. Et en dernier lieu, je voudrais reprendre les mots du professeur Bertuzzi. Donc la leadership d'un homme de la recherche, elle doit être une compétition faite comme une compétition de service. Donc je pense vraiment que la communauté scientifique, mais même la communauté scientifique qui doit prendre des décisions sur la base scientifique, a besoin de se poser comme un jeu qui se pose au service de la communauté. Et cela est le pas fondamental pour sortir de cette situation. Les vaccins sont fondamentaux, mais tout seul ne suffisent pas. On espère qu'il y aura bientôt des thérapies efficaces. Il y a déjà des universités qui sont en train d'étudier ça. Mais je pense qu'il est vraiment fondamental que les gens qui font de la recherche, les pays qui font la recherche, puissent faciliter ceux-là qui peuvent vraiment se mettre au service du bien commun. Parce que cela veut dire beaucoup de monde, beaucoup d'individus qui se mettent au service du bien commun. Donc je veux vous remercier encore une fois. Et je vous invite déjà à partir de maintenant au meeting de l'année prochaine, ici en présentiel, pour raconter ce qui seront les changements. Et par exemple, je suis déjà frappée du fait que l'année dernière, ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, on peut être en présentiel. L'année prochaine, on pourrait être encore plus nombreux ici. Et on pourra faire une rencontre concernant le COVID et de comment les chercheurs qui se sont mis au service du bien commun ont permis de sortir de cette situation du COVID. Je dois aussi rappeler en dernier lieu le fait que le meeting est soutenu grâce à la contribution des sponsors, mais surtout à la contribution de chacun de nous, du peuple du meeting, du bénévole, mais aussi de ceux qui participent et qui vont participer. Et donc j'invite tout le monde, et surtout ceux qui sont ici au meeting en présentiel, de s'arrêter de donner une donation. Cela est fondamental pour permettre à ce lieu du meeting, qui est un lieu qui permet des recommences, de continuer. Je vous remercie. Je remercie surtout les relateurs d'aujourd'hui. Et à l'année prochaine. Investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme.
sentire, conoscere e anche incontrare. Ti aspettiamo in un luogo ricco di opportunità per la tua crescita professionale e personale. Università Cattolica del Sacro Cuore. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa. A dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Vuol dire conoscere e anche incontrare. Ti aspettiamo in un luogo ricco di opportunità per la tua crescita professionale e personale. Università Cattolica del Sacro Cuore.